Et salut à tous, c'est Matanger pour l'épisode 4 du WT de FIR. Je vais baisser un peu mon casque quand même, voilà, pour que je m'entende. Et donc on a appuyé sur ce bouton, la porte là-bas s'est ouverte, donc c'est parti. On peut passer par là ou pas? Non. Donc on va essayer de passer autrement. Ah, je pense qu'il faut rejoindre l'ingénieur, tout simplement. Oula. Toi, tais-toi. Hop. Donc, j'ai changé un peu les touches. Donc, E, c'est pour interagir et... Et F, c'est pour allumer la torche. Juste ça, c'est pas ça que je voulais faire. Faut aller par où en fait? Oula! Donc oui, normalement je vous ai prévenu hein, pour l'épisode précédent, donc ça a été fait en voix off, cette fois-ci non, parce que j'avais oublié tout simplement d'allumer Audacity, d'enregistrer avec Audacity. Voilà. J'en ai toujours 10, donc ça va attendre. Et voilà. Ça a bien giclé là. C'est parfait. Faut aller par où? Parce qu'en fait. Ici Jean, nous sommes sur le toit. Nous allons entrer. Je tourne en rond, en fait. Allez au point de rendez-vous. Ah ok, donc c'est ici qu'il faut aller, je pense, activer ça. Ok, je montre que le réseau a été réinitialisé. Bon travail. Il va falloir une minute au système pour être de nouveau actif. Contourner en fait. Et punaise, je suis mort. Mais pourquoi j'ai plus mon fusil à... Ah, il est là. Bon, j'ai vraiment galéré. À gauche ou à droite? On va aller à gauche. Mais vraiment, l'ambiance du jeu est très bonne. Trop fort.
Donc oui, je vous rappelle aussi que c'est un WT découverte, hein, donc j'ai jamais vu ce qui se passe. Donc comme là, c'est la première fois que je vois passer cette fille Alma. J'ai localisé le transmetteur de Fettel quelque part devant vous. Faites attention. J'ai été fait à partir d'elle, et je suis né d'elle. Nous sommes séparés, mais nous ne sommes qu'un. Il y a beaucoup de trousses de soins par ici. Mais j'en ai pas besoin, là. J'en ai beaucoup. Putain, mais tout s'était éteint là. Que des enflures. Même ma lampe torche s'était éteinte. Elle est prisonnière. Elle flotte dans l'obscurité, comme le bébé dans le ventre de sa mère. Je la trouverai bientôt, et je la libérerai. Merde, je l'ai perdu. Bon sang. Ça fait vraiment flipper. Facilement tourner en rond ici, c'est ouf. Aller voir là-bas au cas où qu'il y a des choses. Ici, je sais plus. Ah bah voilà. PV augmenté 140, donc on peut aller jusqu'à 200 points de vie. Donc faut bien trouver tout quoi, hein, sinon c'est impossible. T'as appliqué une vraie crise dans cette pièce. Super. Vous avez encore autre chose d'utile à rajouter? Je ne vois aucun impact de balle. Il n'y a pas de douille non plus. Ces mecs n'ont pas tiré une seule cartouche. Alors qu'est-ce qui les a tués? Aucune idée. Putain. Bien trouvé la réponse. Oh, trop fort. Ok, continuez à avancer. Fettel ne doit pas être loin. J'aurais jamais cru qu'il y aurait eu une apparition à ce moment-là. Je ne sais même pas par où commencer. Par hasard, je regardais en plus. Oh, c'est trop fort. Liquéfaction presque totale. Peut-être un produit chimique. Tais-toi, toi. Faut aller par où? Ça risque de prendre à un bon moment. L'ascenseur ou là-bas? Surveillez vos arrières. Je pense que c'était par l'ascenseur. Par l'ascenseur, bon bah j'aurais cru. Là je viens de par là donc ça sert à rien. Bah, c'est bien par là, faudra sauter je pense. Ah ok, d'accord.
Intervalle 5, extraction Bishop. Le reste de l'équipe veut disparu du SWAT, 10 ont été trouvés. L'officier technique du FIR est sur place pour conduire les analyses médico-légales. Okay. Le coordinateur de mission du FIR a repéré, repéré le signal du transmetteur du Paxton Fettel dans la zone. Toujours aucune trace du personnel d'Amarcam. Donc l'agent du FIR va essayer d'intercepter Fettel comme au début. Marshall Distler, il semble que vous ayez eu raison à propos de la signature énergétique. Elle correspond bien à l'original. Je suis toujours à la recherche d'une explication valable, mais je me suis dit que vous voudriez au moins avoir cette confirmation. Je vous rappelle dès que j'en sais plus. Fin des messages. Ok. Bon ben là, je vais les relire. Je vais les écouter quand même, les répondeurs, parce que... toujours intéressant d'en savoir plus. Quelqu'un peut m'entendre? Enfin. Est-ce que vous pouvez désamorcer ces bombes? Ok, encore un civil. Mère Grand, nous avons trouvé un otage. Il a l'air ligoté à des explosifs. Bien reçu. Je vous envoie quelqu'un. Passez-le-moi. Hey, vous appartenez aux forces spéciales, c'est ça? C'est ça. Restez tranquille, monsieur... Bishop,
Aldous Bishop. L'équipe de déminage est en route. Ok, il y a des ascenseurs près de votre position. Sécurisez la zone et escortez l'équipe jusqu'à Bishop. Ok, bon, bah, je te laisse tout seul. Non, je propose ça. Je vais garder un peu le fusil à pompe. C'est par où qu'il faut aller là-bas? Grenade. Comment on change de grenade? Parce que je sais que c'est G. Sélection grenade 4 à proximité 5. Voilà. Tout seul? Incroyable que t'aies survécu aussi longtemps. N'approchez pas. Et voilà. On est tiré d'affaire. Ah ouais, bah c'est cool, ça, je savais pas qu'on avait une équipe avec nous. C'est bien mieux. Après faut voir comment elle se débrouille. Vous allez nous montrer où est cet otage? Ouais bah je sais plus où il est moi. Mince, j'aurais dû me faire porter pâle aujourd'hui. Ouais, je crois qu'il y a là-dedans. Ouais. C'est vous le démineur? Affirmatif. Ne vous en faites pas, tout se passera bien. Ouais, bah, je veux juste que vous me débarrassiez de cette merde. C'est lui qui a fait un véritable pro. Est-ce que c'est censé me rassurer? Bon, c'est un pro, mais je suis un maître. Une alarme anti-incendie? Elle a été déclenchée dans un bureau de sécurité à cet étage. Il faut que vous arriviez à la désactiver pour remettre les ascenseurs en service. Monsieur Bishop, est-ce que vous savez pourquoi vous avez été pris en otage? Il posait des questions sur Harlan Wade. Avec sa fille Alice, nous faisons partie de la même équipe. Quel genre d'équipe? Une étude sur les 25 dernières années du district d'Auburn. Mais on nous a pas dit à quoi servait ce travail. Où est sa fille maintenant? Son bureau se trouve dans le bâtiment de la direction, au 6e étage.
beaucoup de vie en fait. Non, on peut pas cliquer dessus. Qu'est-ce qu'il faut? Ah, peut-être appuyer sur l'écran là. Génial, les ascenseurs fonctionnent. Mais maintenant, les portes de sécurité sont verrouillées. Vous devez trouver un autre moyen d'atteindre le toit. Holiday, est-ce que vous pouvez escorter Monsieur Bishop? Oui, on va bien s'en occuper. Bon, bah, on va rejoindre Holiday et Bishop sur le toit, puis on va s'arrêter là, je pense. Ah, d'accord, il a bugué. Bah, il est. Better, par hasard. J'en ai fini, Paris. Alors, une idée? Il va falloir que je passe au labo. Ok, retournez sur le toit et ne bougez pas. Je vous envoie un taxi pour vous sortir de là. Mais ça va prendre un moment. Ils veulent que je passe. Compris. Bah, où ils veulent que je passe en tout cas? On va écouter ça. Émission des données. Eh bien, cela confirme que l'objectif de Perseus était bien d'entraîner des commandants télépathes à contrôler des soldats clonés. Pourtant, il semble que Paxton Fettel a été le seul commandant du programme. Ce qui est étrange, c'est qu'il parle de lui comme étant le second prototype. Ça va sauvegarder juste là. On peut pas réécouter ça? Non. J'aurais pas dû faire une connerie comme ça. Bah pour moi on va s'arrêter là. On va faire un petit F5. Voilà. Et on va s'arrêter là. Et on se retrouve dans les prochains jours. Je sais pas combien je vais en mettre par semaine ou par mois, j'en sais rien. Donc allez, à plus, c'était Matanger.